Situé en périphérie d'une galaxie peu fréquentée, Twin Sun est un planétoïde récent. Mu d'une lente rotation sur lui-même, c'est un monde stabilisé entre deux soleils. À l'équateur s'est formée une haute chaîne montagneuse, le divisant en deux hémisphères éclairés chacun par un soleil. L'hémisphère nord est plus chaud et le ciel y prend une teinte orangée. Mais à l'exception de la ceinture glaciaire, le climat de l'astre est tempéré. L'apparition de la vie à sa surface a ainsi été favorisée. En quelques siècles, quatre espèces principales se sont développées: les bouboules, les lapichons, les quetchs et les gros-bots. Elles vivaient encore en harmonie, il y a peu, mais un tyran s'est dressé, le docteur Fenfrock. Depuis sa prise de pouvoir, la population vit dans un régime dictatorial. Le tyran a mis en place une société policière, où règne la suspicion. Il est tout-puissant et dirige la population d'une main de fer grâce à la maîtrise de deux techniques, le clonage et la téléportation. À partir d'un modèle de chaque espèce, il duplique à l'infini des soldats bon marché et serviles. Il peut ensuite les déplacer instantanément grâce à un réseau de télépodes couvrant l'ensemble du planétoïde. Il y a quelques années, prétextant la protection de la population, le docteur Fenfrock a regroupé tous les habitants dans l'hémisphère sud. La répression est dure. Chaque jour voit son lot d'arrestations, et rares sont les résistants qui croient encore à la liberté. Pour garder espoir, ils évoquent parfois une ancienne légende, ainsi que le nom d'une déesse, Sendel. Ces deux croyances étant proscrites par le docteur Fenfrock. Pendant ce temps-là, depuis quelque temps, un jeune Quetch nommé Twinson fait d'étranges rêves. Détenu Twinsen, cessez de vous agiter! Un prisonnier s'évade! Déclenchez l'alarme! Tu viens de retrouver ta carte d'identité. Tu viens de retrouver ton holomap. Utilise-la en passant par l'inventaire touche Shift ou directement par la touche H. Hey, salut collègue. Thank you.
interdiction de circuler hors de la citadelle dans cette tenue. Hey, salut! Je viens fouiner ici. Comme personne ne garde ce coin, pour éviter d'être vu par les gardes, je me cache dans le camion. Il suffit de se mettre dans les déchets et d'être suffisamment discret. Voilà, plus qu'à attendre que le camion soit en place. Hey, salut! Bonjour, bonjour, bonjour! Aïe, aïe, aïe! Impossible d'ouvrir ce coffre avec mon dos bloqué! Aidez-moi et vous pourrez garder une partie de son contenu! Ah, il suffit de se placer devant le coffre en mode normal et de faire action! Vous pouvez fouiller plein de choses comme ça! Ah, les placards, les poubelles, etc., etc. Aïe, 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 j'ai mal!